17 morts et 23 blessés, c'est le bilan d'une mystérieuse explosion qui s'est produite samedi après-midi dans une base militaire située à une vingtaine de kilomètres de Téhéran. Officiellement, c'est un dépôt de munitions appartenant aux gardiens de la Révolution qui aurait accidentellement explosé. Mais d'après plusieurs sources de l'opposition iranienne, la base abriterait des missiles balistiques capables d'atteindre Israël. Dans cet incident, un important général de l'armée iranienne a trouvé la mort. Hassan Tehrani Mukaddam serait l'un des chefs du programme de missiles iranien.